Et yo tout le monde, c'est Cool Raoul aujourd'hui. Voilà. Elle a fait son petit passage dans la vidéo, elle est contente. Ici, on va dormir parce que c'est le matin, il est 7h22 du mat. Donc c'est parti. Dans la vraie vie, il est 8h21, putain. Et c'est mon anniversaire aujourd'hui, le 11 juillet, c'est mon anniversaire. Et pas s'accrocher. Allez hop. On prend vite, on se casse. Ah, il est derrière moi. Oh, fils de pute, il m'a fait peur, je l'avais pas vu. Puisque t'es debout, viens voir ce que je propose. Il a une voix bizarre, lui. Il fait quoi, celui-là? Eh, on dirait comme dans Je suis une légende quand l'autre, quand le zombie il. Bah, en fait, il est bugué. Tant qu'on surveille tout, personne ne passera. Docteur! Regardez ce que j'ai dans la poche! Ah, Crane, entre, entre! Tu as les échantillons que je t'ai demandé? Ouais, tiens, voilà ton shit. Excellent. C'est de la qualité d'Amsterdam. Je suis en train de parler de toi au docteur Campbell. Bonjour, monsieur Crane. Oh, what? Non, c'est pas cet ordinateur, c'est à gauche. Cette créature a un sang plus qu'étrange, sensible à la lumière. Et mortel sur une arme, je parie. Bah ouais, je l'ai tué. Je m'égare. Ma dernière dose de réactif, un flacon d'antizine. L'échantillon, il est positif pour le virus recombiné. Ça veut dire quoi? Tu comprends ce que ça veut dire? Non. Quand j'ai mélangé la souche modifiée aux échantillons de viande, ça a marché. Ça pourrait expliquer les mutations. Mais je manque d'équipement, contrairement à Camden. Dommage qu'on ait aucun moyen de lui apporter les recherches ou l'échantillon. Ah, oh, c'est dommage qu'il n'y a personne pour on lui apporter. Communiquer par radio, ça suffit pas? Il y a trop de données, Crane. Ça prendrait beaucoup trop de temps. Et je ne suis pas sûr que l'on y survivrait. Ouais, c'est bon, allez, mes couilles. Genre, les mecs, ils visent personne, c'est. À la fois. Et si je vous apportais tout ça, docteur Camden? Allez. En main propre. Les données et les échantillons. C'est pas vraiment une bonne idée, Crane. Ce serait une mission ultra dangereuse. Ouais, mais le remède pourrait être la clé. Oh, tu nous sauves la vie. Tu me touches quoi là, mon grand? Tu nous sauves tous. Genre comme si j'avais pas déjà compris l'affaire. Hein? Comme hey, si je. Allez. Non, je t'entends pas, pourquoi y'a un problème? Écoute, avec Omar, on a décidé d'aller faire exploser le nid. Quoi? Putain, non! C'était mon boulot! Pourquoi? T'es plus qualifié que moi pour manipuler des explosifs, tu crois? Bah ouais. Espèce de touriste! Mais qu'est-ce que tu fais, ouais, les bourrés? On a foiré! Mais ça m'étonne pas! Qu'est-ce qui s'est passé? T'es où? Sur la passerelle! Fais ça mort! Passe-toi! Va à la gare de triage et planque-toi! J'arrive! Omar! Ah merde! Derrière toi! Non, Omar et lui sont partis faire sauter le nid. Et ils sont dans le pétrin. Oh! Merde. Oh putain, j'ai eu peur! C'est moi qui les ai piqués à Rice. Putain de merde! Je suis pas loin. Non. Let's go! Rentrer à l'intérieur. Oui. Si je rentrais par la fenêtre, ça rentrait. J'ai trouvé que des cadavres sur le pont routier. Non, jure? Il semblerait que Raïm ait réussi à s'enfuir. Je lui ai dit de se cacher dans la gare de triage. Il se peut qu'il soit toujours en vie. Ah ouais? Tiens bon, Raïm. Genre, le mec, il dit ça comme si, genre, je le savais pas. Mais en fait. Putain. Ça m'énerve, quoi. Quand il fait des trucs ainsi, ça me casse les couilles. Il s'est fait mordre. Eh hey, les zombies, venez! Alors quand je vous dis que j'ai déjà fini le jeu mille fois, c'est la vérité. Alors je spoil, le gamin là-dedans, c'est Raïm. Voilà, pour ceux qui savent pas, c'est Raïm.
J'espère que vous êtes pas trop deg, que je vous ai spoilé qui avait dans le train. Casse-toi. Mais j'ai été. Oh what the fuck dude. Merde, il m'a touché. Change mon arme, voilà, allez hop. Voilà, il est mort. C'est bon. Raim, tu es là? Lève la main que je te voie. Et je pensais pas y arriver, mais j'ai armé les bombes. Regardez tout sa jambe. Tout en moins de 5 minutes. Tu saignes? Je ne suis coupé, c'est rien. Va placer les bombes. Tu bouges pas, ok? Je reviens. On sait tous qui ment. On sait tous ce qu'il a eu. Pourquoi il saigne? SMBT coupé, lol. Je te le dis sans te regarder dans les yeux. Me crois-tu? Mets-toi vite, 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 vite. De retour à la surface. Tu vois le gros ponceau à droite? Passe par là. Une fois dans le bâtiment, prends la rampe pour te rendre à l'étage au-dessus. Il faut que tu places la bombe sur une des colonnes. Ok. Ouais. Oh, fils de putain, va. Oh, excusez-moi, j'ai eu peur, vous me comprenez. C'est bon pour la première. Sois prudent. Trouve un escalier pour monter à l'étage au-dessus. C'est fait. Cherche une colonne identique à la première. Ok. Donc j'ai trouvé. C'était pas compliqué en fait. Il suffisait juste de regarder le mur à droite devant nous et ben la porte était juste là en fait. Mais dégage hein. Vas-y, 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 vas-y. Ah putain, j'ai du timing, j'ai sa mère, j'ai oublié. C'est que ça. Oh fuck, un pompier. Ok. Oh bordel. Ça a marché. Ton plan a marché. Ouais. Ah, plonge dans sa mère, sa mère. Oh sa mère. Putain, j'ai eu peur. Je vous jure, j'ai eu peur. J'ai chié dans mon... dans ma culotte. Alors, pour ceux qui aiment pas les screamers, je spoil. Là, il y aura un screamer. Raim, c'est moi. Aïe aïe aïe. Raim, t'aurais dû voir ça. Tout le bâtiment s'est effondré. Non, Raim, Raim, c'est moi. C'est Raim. Raim, stop. C'est une ouais. Putain de morsure. Bah ma couille. Espèce d'imbécile. Oh non, Jade. Améliore encore votre compétence de marchandise, réduit de 10% supplémentaire les prix dans les boutiques. Ok si tu veux mec. Ah ouais, pour ceux qui se demanderaient c'est quoi la compétence que j'ai eue. Alors c'est très simple, je tue un zombie et je pourrais... Voilà, je me camoufle avec du sang de zombie en faisant X. Voilà, comme ça.
Et là, je suis comme eux. Zombie. Je suis un zombie, monsieur. Qu'il est laid. Ah. Brecken. Comment? Oula, c'est quoi ça? J'ai dû le tuer. C'était trop tard, il avait basculé. J'avais pas le choix, je te jure. Hey, c'était mon ami aussi. Mon ouais, mais moi c'était mon plan cul, merde! Je sais. Ok. Il me rendait dingue parfois, mais... Oula, il te rendait dingue? Mais je l'aimais comme mon frère. Un autre ami qui nous quitte. Un autre frère qui nous quitte. C'est moi. C'est moi qui lui ai confié les explosifs. Pour sang. Si je l'avais pas laissé là, il serait peut-être encore en vie. Oh non. Jade. Attends. Jade. C'est con. Merde. C'est bon. Laisse-lui. Laisse-lui un peu de temps. Oh, what the fuck? Quoi, par la fenêtre? Oh ouais. Bordel de merde, c'est quoi ça? Non! Ah, j'ai oublié ça! The fuck? Allez, vas-y, trêve. Ah, au secours, je vais mourir! Oh, what the fuck? Prends tes balles, non? Il me reste 2 balles. C'est quoi le bip bip? Ça signifie quoi? Oh. Il n'y a plus personne. Ah bon? Ils ont capturé Zéré et l'ont embarqué. Allez. Mais cool, le mec, genre le mec il parle comme si genre il était normal, genre comme s'il il avait rien, comme s'il avait aucune égratignure, comme s'il avait rien quoi. Tu sais, genre comme s'il était normal quoi. Mais le mec, il a les entrailles à l'air, tout ça machin, c'est incroyable. Brecken, Zéré a été kidnappé. Sa caravane est en feu. Et merde! Tu vois ce qui se passe quand on se frotte à Rice? Vous n'auriez jamais dû aller à l'école. Bah ouais, il fallait pas aller à l'école, hein. Le bandit qui se dirigeait vers la garnison de Rice. C'est sûrement là qu'ils ont emmené Zéré. Aïe. Va le chercher et ramène-le-moi en vie. C'est compris? C'est un peu dangereux, ça, quand même, hein. C'est pas le moment, mec! C'est pas le moment, mec! C'est tout. Par l'arrière, peut-être. Mais fais gaffe. Si tu te fais prendre, tu vas passer un sale quart d'heure. Ouais. J'y vais. J'ai dû monter sur le petit rebord là. Pas sur l'arbre, non, juste derrière, il y a une grille, il n'y a pas de barbelé. J'ai dû monter là. J'ai dû monter sur le barbelé et sauter ici. Et j'ai trouvé au hasard, hein. Je savais pas qu'il fallait faire ça. J'ai vraiment trouvé au pif. Ça me casse les couilles. Par contre, j'ai tué quelqu'un et du coup, les gens, bah maintenant ils savent que celui-là. Et maintenant ils savent que celui-là. Par contre, je dis pas non aux munitions. Le mec il m'a dit oui Silo, tu sais que t'es là, tu vas passer un sale quart d'heure. Bah non en fait, non, je ne vais pas passer de sale quart d'heure. C'est faux. Parce que le mec, ça fait 1 heure qu'il sait que je suis là, il m'a toujours rien fait. Silence, j'ai entendu un truc. Non monsieur, non c'est faux. Ils vont raser la zone.
putain de merde. Oh. Oh non, putain, j'ai cru. Putain. C'est qui, il est où? Vas-y, monte ta gueule, dépêche-toi. Mais quoi? Mais prends tes balles, hein. Vas-y, 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 ma vénère. Putain de merde, il me faut absolument... Oh, allez, des lames. Mais quoi, allez, j'ai besoin de ça, moi, j'ai pas besoin de ça, moi, putain. Vas-y, c'est la même arme. Mais quoi, j'ai d'après à le prendre, mais en fait, c'est la même arme. Il me faudrait... Vas-y, ça c'est bon aussi. Quoi, c'est censé être un boss? Je sais pas. On s'en bat les couilles. De toute façon, on a 48 heures pour faire tout ce merdier. Qui c'est? C'est pas moi. Du calme, c'est moi. Oh, Crane. Est-ce un coiffeur? J'ai un truc important à te dire. Je vais mourir. Mais mes notes ne doivent pas disparaître avec moi. Vous n'allez pas mourir, Doc. Mais chut, il faut qu'on file. Et s'il vous plaît, parlez moins fort. Ok. Juste une chose. Il faut que le docteur Camden récupère mes notes. C'est pour ça que j'ai donné les paquets à Jade. Je sais que c'était toi qui devais les livrer. Mais je l'avais sous la main, alors... Doc ? Il va mourir, normalement. Ah, je les ai tous tués, c'est du fake ! Notre cher docteur, notre bon docteur... Il va mourir atrocement. Retrouve le scorpion, à tout prix. Avec plaisir. Et ces deux-là, on en fait quoi? Vous bah, à ton avis. Jamais, jamais. Et je dirai rien. Rien, jamais. Pour l'instant, je veux juste vous empêcher de vous enfuir tous les deux. Une espèce de sadique, un homme de son âge. Soignez le docteur d'urgence. Et je t'écraigne dans l'arène. J'ai déjà eu un coup de crosse. J'ai trouvé Zéré. Mais... Je voulais le ramener à la tour, mais Rice et ses hommes nous entendent une embuscade. Je ne sais pas comment tout ça va se finir. T'as 48 heures, mon grand. Prends pas ton temps. Yo, on va faire du rap. Oh, point J. Oh, quartier Nord. Non, c'est fou. Ah, il va le lancer, regarde. C'est un véritable serpent qui s'infiltre. Crane. Ouais, je suis un beau. Des menteurs, le je fais deux mains. Des mensonges. Qu'est-ce que tu racontes? Réponds, enfoiré. Vas-y, perds ton sang-froid. Putain, le jeu d'acteur. Je t'en ah, chier, mec. Si je... En plus, c'est même pas fluide, tu sais. Pas mal. Ça a chié, quoi. Petit 16 hommes. Dégagez les corps. Laissez Crane. Entends-tu? Il tue ses amis. Il tue ses seuls amis. Ouah! 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 À moi la victoire! On avait... Hein? Vous avez été dépouillé, cherchez vos objets dans... Oh... Oh, ils m'ont pas pris les munitions, bande de trous du cul de putain que vous êtes. Oh, ils m'ont pris mon fric! Ah, ça par contre, ça, ils vont me le rendre. Ah non, mon fric, il est là. 3400... Oh, en même temps, 3000 euros, ça va pas l'intéresser.
Bonjour. Allez, venez. Un par un. Aïe. Bon, on va pas se mytho, c'est de la merde. Ouais, c'est lourd. Intéressant, intéressant, ce qu'ils ont sur eux, intéressant. Un marteau, oh. Mec, couille. Ah! Putain, j'ai eu peur, mec. J'ai cru que je les avais tous tués. J'ai été surpris. Non, 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 pas ça. Non, ça par contre, c'est fou, ça. Putain, ça a l'art de mettre la pression, ces salopards là. Putain, ils ont l'art de mettre la pression. Ils ont l'habitude, hein, de mettre la pression aux gens, les zombies, tout ça. Parce qu'en fait, je sais pas, moi ça me met des frissons. C'est hardcore. Oh merde. Madame, qu'est-ce que vous faites là? Mais qu'est-ce que c'est, cette porte? Elle a esquivé un de ses coups, mon ami. Mais il meurt. Il meurt en fait. Bah ouais, mais en fait ils deviennent à chier. Vas-y, en parle-toi dans les pics. Enfin, dans le. Tout le monde entendra parler de tes exploits. Dommage, tu ne seras plus là. Ça y est, tu prends ton destin en main, c'est ça? C'est oui. Un peu tard, malheureusement. Pas mal pour un homme mort. Pas mal. Alors docteur, ne faites pas ça, ne vous penchez pas comme ça. On sait pas qui pourrait venir derrière vous. Oh, merci. Oh, what the fuck. Vas-y, lâchez tout, comme ça tout ce qui est à l'intérieur meurt. Ou pas. Ah ouais, et je trouve ça comment moi? D'accord. En fait, petit à petit... Oh merde! Putain, il me lance des cailloux de 30 kilos.
Allez, on le tue. Voilà. Ah ! Quoi ? Oh putain, il m'a fait peur. Oh merde ! C'est quoi ça ? Bah je vais mourir. Ah merde, ils viennent par derrière, putain, c'est con ça. Cours sa mère, mais mets la pression, c'est enfoiré. Putain de mes couilles. Alors ça, en fait, il faut savoir que c'est l'infection qu'il a. Ont une fin. Oh, j'ai terminé sa phrase. Et mais vas-y, défonce-toi. On ne pourra pas dire que j'ai été dur avec toi. D'accord. Et maintenant, je fais quoi? Ah. De l'antizine, non? Tes exploits ne m'étonnent plus, Craig. Le GRE choisit bien ses agents. Oh, merde. Eh ouais, des traîtres, mon gars. C'est ce que je disais. Plateforme. Bah oui, mon grand. Je vais t'expliquer. Bassam, tu me reçois ? 5 sur 5. Publie le fichier. À vos ordres. Et c'est fait, c'est parti. T'es fou, allié ! Putain, tu viens de condamner des milliers d'innocents ! Avec ton fichu chaos ! Mon dieu, c'est quoi ça, l'ombre qui était sur son visage ? Le GRE voulait transformer le virus en arme chimique. Ils veulent s'en mettre plein les poches. Comme... C'est tout ce qui les intéresse. Et toi, tu es devenu leur macaque apprivoisé. C'est pitoyable. Allez, tuez-le. Wow. Wow, quelle scène d'action, incroyable. Allez Doc, venez, on rentre. Ah là, il est foutu là. Sauve ces gens. Ils ne méritent pas ça. Le mec, il en a pas fini. Mais genre il le touche pas. Mais genre il le touche pas. Et pourquoi il a pas pris les flingues? Oh, tellement de questions. Alors ouais. Courir. Courir. Putain, il est devenu fou lui-même. Couille. Oh non, je me suis pris une bombe dans la gueule. Je ne comprends pas comment je ne suis pas mort. J'ai failli me faire avoir. Ah ouais, ça c'est sûr ça. Ah merde, ok. Merde.
Alors en fait, j'ai un problème, c'est que j'ai un reflet sur la télé et du coup je n'ai pas vu correctement la poudre. Le passage. Oh mon dieu, des explosifs. C'est censé être un passage d'action, une scène d'action. Bah en fait non. Ah chier. Putain. Allez, accroche-toi. Alors normalement ici. Attendez, si je me rappelle. Parce que ici j'ai tourné en rond pas mal de temps. Après les gens. Donc c'était ici. C'était juste là en fait. J'ai tourné longtemps pour rien. Cool. Vas-y, dépêche-toi. Alors mon joueur s'est retourné d'un coup. Boum. Ah, où je suis? J'ai dû te cacher sur le quai. La moitié des gars de Rice te cherchaient. Oui, allez, ta gueule. Crane, voilà ton équipement. Karim te passe le bonjour. Tu le remercieras pour moi. Je cherche les sauveurs. Je sais même pas de quoi tu parles. C'est Brecken qui m'envoie. La tour. Je m'en bats d'où tu viens. T'as intérêt à te casser ou je vais commencer à plus être aussi poli. Je sais que tu fais sortir des gens du bidonville. Est-ce qu'il y a une nana qui est passée? Jade? Je crois que tu ferais mieux de dégager. Écoute, c'est moi qui ai charcuté Rice. Et je sais que ces gars me cherchent. J'ai besoin d'un coup de main. Sérieux? C'est toi qui as coupé la main de Rice? Ouais, et j'ai même la plus grosse bite du monde. T'appelles comment? Crane. Eh ben Crane, tu vas être déçu si tu penses que passer dans le secteur 0 te permettra d'échapper à Rice. Bon. Je m'en bats les couilles, vas-y, passe. C'est pas un fou celui-là? Oh vas-y, comme il parle et tout, vas-y. Il y a un gars qui dit qu'il a tranché la main de Rice. Crane. Ouais, c'est ce qu'il dit. Vraiment? T'es sûr? À qui il parle? Entendu. Genre, y'a personne qui répond, tu sais. Viens là. Tu fais croire quoi que t'as des amis toi couillon? Non, tu crois quoi? On va faire passer. Quand? Maintenant. Et c'est combien? Ce que t'as fait à Rice, ça nous suffit largement. Va dans le tunnel effondré qui menait à la vieille ville. Tu frappes à la porte qui va aux égouts et quelqu'un viendra s'occuper de toi. Entendu. Et s'il y a personne, on fait quoi? Merci à toi. Le mec il a pas d'amis, du coup il fait genre qu'il a des amis. Lolololol. Alors on a affaire au cartel de la drogue et tout, c'est bien. Le baron de la drogue. C'est toi qui a fait passer Jade? Qui? Elle est d'ici, brune, mignonne, dure à cuire. Peut-être, je sais pas, on demande pas les noms. Ah, le joueur il aime Jade, il est amoureux d'elle. Je l'avais pas sauté. Et j'ai même cru au début qu'il allait pas s'accrocher. On aura affaire à des zombies, je crois. Je saute, hein. On essaie de faire le ménage. Mais il y a peut-être des infectés par-ci, par-là. Ça devrait pas te poser problème. Oh ouais. Bah mon grand. Alors si tu ne vois pas d'inconvénient, je vais juste faire ça. Et on saute de l'autre côté. Et allez, on s'accroche. On saute et on saute. Oh, on tire. Oh merde.
Oh, je l'ai tué, jure. Putain, je lui ai mis une balle. Un mastoc comme ça, jure ça. Ok, mec. Vas-y, tourne. Merde. Alors les zombies, vous me laissez 2 minutes. Parce que sinon, je vous mets une balle dans la tête. Hein? Et vous me suivez. Incroyable. Cette ville là, elle est extraordinaire. Elle est super pour le free run et pour la nuit. Elle est magnifique. C'est parti. Jade, ne saute pas. Ici Crane, tu me reçois? Jade, ici Crane, tu me reçois? Merde. Bon, je vais laisser faire les gars du coin. Roy, c'est Crane, tu m'entends? Crane, ça fait plaisir. Qu'est-ce que je peux faire pour toi? Je suis dans ton secteur et j'aimerais bien qu'on se voit. Où est-ce que je peux te retrouver? Tu es ici, dans le zéro? Excellent. Le bâtiment juste en face là-bas. Une plus grande que l'autre avec des échafaudages partout. C'est ouais, juste en face. Mets le cap dessus, on t'attendra. Dans le secteur zéro, Jade est avec vous? Non, elle a du mal à progresser. Ce n'est pas facile. J'ai dû me couper de l'extérieur à cause des hommes de Rice. À ce propos, docteur, tout va bien? Je suis bloqué ici, mais ça va. Vous venez me chercher? Je connais cette ville... Pas encore, docteur. Par cœur. Je dois récupérer Jade et les nobles de Zéré. Je viendrai après. Ok, je vous attends. Bonne chance, Crane. Je connais tous les petits coins pour emmener au point A au point B. Du point A au point B, pardon. Toi, Crane? Ouais, c'est non, moi. C'est pas moi. Je m'appelle Michael. Je m'en bats les couilles. T'attends dans notre perchoir. Ça fait plaisir que tu sois là, Crane. Je te prends ta batte, ça va? Allez, bonjour, messieurs, mesdames. Alors, il y a un enfant. C'est trop bien. Moi, c'est sa vie. T'as besoin d'un truc technique? Tu viens me voir. J'ai presque réussi à outrepasser le brouillage. Allez, viens dire bonjour à Troy. Kyle Crane. Elle a un truc à l'œil, non? Un visage sur ta voix. Tu cherches Jade Aldemir, c'est ça? Tu l'as vu? Non, au visage. Tu sais où elle est? Jade, ici Troy, tu m'entends? J'écoute, Troy. Jade, ici Crane. Écoute, je sais que tu vas voir le docteur Camden, mais les zombies et les hommes de Rice encerclent sa clinique. Laisse-moi t'aider. Crane, laisse-moi tranquille. Quand j'entends ta voix, je vois mon frère. Écoute-moi, s'il te plaît, ok? J'ai été envoyé par le GRE. J'étais censé trouver où Rice avait caché son dossier secret. Mais ça sert plus à rien maintenant que le ministère m'a contacté. Ils allaient bombarder la ville, mais... Je les ai convaincus d'attendre, parce qu'ils veulent les notes que tu as sur toi. Il faut absolument trouver un moyen de leur faire savoir qu'on les a. Espèce de salaud. Dis-moi. Jade. Merde. Elle a lancé le talkie-walkie dans l'eau. Crane. La dernière fois qu'on a parlé, elle était à l'université, un peu plus à l'est. S'il y a un fond de vérité dans ce que tu as dit, tu dois la retrouver. Oh, come on! C'est cool! Wouhou! Non, 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 non. Ah oui, attendez. Alors cette ville-là, on pourrait y retourner quand on veut, hein. Crane, encore un truc. Quoi? Crane, ça a amené plus... Il lance des... Il aime que les gens... Allez, on s'en fout. Alors ce petit bonhomme-là, il va me créer des emmerdes. Ça se voit que c'est sur PS4, hein. Putain, c'est dégueulasse. Alors j'essaye de faire des vidéos sur YouTube, sur mon ordinateur, mais je n'y arrive pas. Dès que j'enregistre... Jade, t'es là? Dès que j'essaie d'enregistrer, genre ça enregistre mon écran. Mais une fois que je poste ça sur YouTube, c'est un écran noir. Excuse-moi, tu peux m'aider? Oui, elle était ici. Allez. Je sais pas trop.
Mais elle m'a dit de te dire une fois, mais pas deux. Je sais pas ce que ça veut dire. Ça a l'air confortable. Ça a l'air confortable. Bah écoute mec, si tu le dis, c'est que c'est vrai. Hein. J'ai la dalle. Je sais pas vous, mais moi je crève de faim. Dans la vraie vie. Bon écoutez les gens, voilà, écoutez, ça m'énerve un peu de jouer. Bah écoutez, c'est la fin de la vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un pouce bleu et à vous abonner. Sur ce, moi je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Ou pour un prochain live. Ciao tout le monde. À bientôt.